vous voyez, ça gèle. De la grêle, la grêle. Donc, on va parler de mes cheveux trompus. Donc, qu'est-ce qu'on va dire de ça? Le fromage, il t'est resté collé. Coucou les filles, donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo témoignage cheveux crépus. Donc je conduis, donc je ne regarde pas mes trois par là, Christelle. Mes trois pouces par là. Donc je conduis, donc vous ne voulez pas trop voir mon visage. Donc ça ne sert à rien de toutes les manières. La vidéo que vous allez voir, donc prenez votre temps, prenez un café, asseyez-vous pour bien regarder la vidéo. Et franchement, ce sont des faits réels. Donc quand je dis des faits réels, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Même si ça a l'air choquant, mais c'est comme ça, c'est les humains. Les humains ne peuvent pas s'empêcher de faire du mal, de critiquer, de voilà quoi. Qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Même quand c'est des humains. Je rigole un peu pendant la vidéo. Quand je filmais mes collègues, c'était assez dur de les filmer parce que ça n'arrêtait pas de rigoler. Qu'est-ce que tu penses de mes cheveux crépus? Bon, ben, ça ressemble à... La texture ressemble à mon tapis des cendres de lit. Et pourquoi tu la touches tous les deux jours quand tu me vois arriver? Parce que ça, parce que ça te fait penser à ton tapis de ta salle de bain ou je sais pas où. Non, de ma chambre. De ta chambre, ouais, oui. Vas-y. Mais c'est tout doux quand je me réveille. Ça fait pareil, c'est pour ça que j'aime bien toucher quand j'ai un petit coup de barre, toucher tes cheveux. Bon, ça c'est le premier témoignage. Est-ce que tu veux que je te touche tes chiens là, tous les jours, tous les matins? J'arrive, pouet, pouet. Oh, bon, c'est bon. Ah ben, c'est comme ça que tu fais à mes cheveux tous les jours. C'est pas pareil, c'est pour tes miches. C'est pareil. Donc moi, si tu touches mes cheveux, je touche tes miches. Regarde. Oh, mais c'est bon, hein, oh. Voilà. Bon, ça bien fait. Donc, les filles, trouvez cette solution parce que c'est une bonne solution. Ils vont arrêter de toucher vos cheveux tous les 5 minutes. Ouais, donc, comme vous voyez,
Ça fait vraiment un an dans une semaine, voilà. Donc le 10 ou 11 octobre, voilà. Et franchement, c'est dur. J'ai eu des hauts, des bas, plus de bas, oui. Le soir, les soins, une fois par semaine, donc voilà quoi. Donc franchement, c'est du boulot. Donc je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Parce qu'on va continuer la visite. Pourquoi tu touches mes cheveux tous les jours à chaque fois que tu me vois là, à tripoter mes cheveux? Pourtant au début je t'ai fait toucher une fois, deux fois. Mmh. Pourquoi tu continues à toujours toucher quand tu me vois? Je sais pas, ça fait bizarre, on dirait comme de la moquette. De la moquette. Et tes cheveux, ils sont comment? Moi c'est du parquet. Ah, c'est du parquet? Oui. Pourquoi la dernière fois j'avais une coupe dans la tête là? Et tu m'as dit quoi? T'as vu ma coupe? Je sais pas, j'ai dit que j'ai dû avoir un coup de vent. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, mes cheveux, un coup de vent? Ah bah oui, on s'en fiche, on aime bien les toucher, c'est tout. C'est doux. Et si moi je te faisais ça, enfin, tous les matins? Oui, hein, ça me dérange pas. Ah, ça te dérange pas? Non, sauf si j'ai mal au sein, tu prends une baffe. Ah, je prends une baffe, donc c'est ce que j'ai envie moi de faire quand tu me touches les cheveux. Ah bah non, c'est gentil. Tout ah non, c'est saoulant quoi. Tu préfères couper. Voilà, ensuite, et vous avez eu aussi le témoignage de ma copine Tetel. Hop, hop, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. On tourne, on est arrivé à presque à Nose. Et je pense que c'était pour cette vidéo, les filles. Donc, bon visionnage, si ça se dit, parce que moi et le français, on n'est pas copines, mais ça ne m'empêche pas de vivre. Ok. Et une petite chose, avoir les cheveux qui crépus, pour moi, c'est l'équivalent de quelqu'un qui est obèse. Pourquoi? Tu as des remarques toute la journée. Ouais, c'est une sorte de racisme physique, facial, c'est comme ça qu'on dit? Ouais. Ok, donc nous est à côté. C'est une sorte de... Qu'est-ce que je viens de dire? Racisme facial. Tes cheveux crépus, ça plaît pas. T'as des remarques méchantes. La personne est obèse et grosse, c'est pareil. C'est les mots, ça choque. T'as des critiques, t'as les regards. Et voilà quoi. Comme quand t'es noir. Parce que franchement, pour mes cheveux crépus, j'ai eu des remarques, des blancs, des noirs, des toutes les couleurs. Ok. Mais des noirs? Ben oui, tu rigoles. Par des noirs en Guadeloupe, ok? Par des noirs, des Guadeloupéens, des tout ce qu'il y a. Les mêmes cheveux que toi? Je sais, justement. Et c'est ça qui est choquant et triste. Les mêmes cheveux que moi. Et ils me regardent comme si j'étais... Et on m'a même dit aussi, ouais, mais pourquoi tu mets pas du gel ou... C'est mieux avec du gel. Ben ouais, mais je sais, je mets du gel. Je mets du gel de temps en temps comme quelqu'un fait un lissage dans sa tête. Mais j'ai pas envie de mettre du gel tous les jours dans ma tête. Quand tu mets du gel dans ta tête, c'est quand tu changes de look. Quand tu as envie, c'est comme si tu mets un blouson et tu mets un blazer. C'est ça? Ouais. Je sais pas si c'est comme ça. Voilà. Mais quand tu mets du gel, j'ai pas envie de mettre du gel dans ma tête tout le temps. J'ai envie d'avoir mes cheveux normales. Et oh. Puis ça, oui, ça prend du temps aussi. Des antillais. Ma cousine me l'a fait aussi. Ouais. Voilà. Oh, c'est dégueulasse, c'est moche, mais c'est... Donc, j'ai envie des fois de... détriper quelqu'un. Donc, les chéris, votre vie, c'est votre vie. Ok? Moi, je fais ce que je veux de ma vie. Ok, si demain j'ai envie d'être punk, je serai punk. Mais je ne vais pas le faire parce que ma mère va faire une crise cardiaque. Ok. Bye, je vais chez nous. Coucou les filles. Donc Christelle, parle-moi de tes cheveux. Mes cheveux, ça va mieux depuis que ma Gigi m'a coupé mes cheveux parce que... Gigi, c'est moi. Parce qu'en fait, à cause de ma maladie, j'ai une tumeur à la thyroïde. Donc j'ai perdu mes cheveux, j'ai eu des trous dans ma tête. Donc Gigi, elle m'a coupé mes cheveux en fait. Donc, et je croyais... Avant, tu avais les cheveux défrisés, il faut préciser. Oui, avant, j'avais les cheveux défrisés. Donc, j'avais aucun volume, tout était raide comme des spaghettis. Donc, mais tu n'aimais pas tes cheveux, pourquoi? Et j'aimais pas mes cheveux parce que c'était crépus à l'intérieur et spaghettis extérieur, ça faisait vraiment sale.
Allez. Ensuite, est-ce que tu aimes tes cheveux? Maintenant, oui. Maintenant. Entre parenthèses. J'aime mes cheveux maintenant. Oui. Pourquoi? Parce que là, mes cheveux, j'ai du volume. J'en ai beaucoup. Ça fait pas spaghetti, ça fait magnifique. Je peux faire plein de coupes maintenant qu'avant, je pouvais rien faire du tout. Et c'est épais. Mais là, j'ai l'impression que tu as fait un défrisage, non? Non, pas de défrisage. Non. C'est quoi? Là, j'ai fait je lisse ma mèche avec mon lisseur. Je lisse ma mèche. Et en janvier, comme j'ai eu l'anniversaire de ma cousine, on m'a fait un... j'ai été chez le coiffeur et on m'a fait un lissage avec du... Je sais plus c'est quoi le nom. Il est tellement dur le nom que je ne me rappelle plus. Bon, je sais pas c'est non plus. C'est pitch top, voilà. Je sais plus, un truc comme ça. Voilà. Okay. Je ne me rappelle plus trop. Quoi. Pourquoi tu gardes tes lunettes? À cause de ma maladie. Et pourquoi? Parce que j'ai les yeux qui sortent de la tête, ils sont gonflés. Ok, bon. Voilà. J'ai grossi de 25 kilos aussi. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as eu en expérience depuis que tu as coupé tes cheveux, que tes cheveux, entre parenthèses, sont devenus naturels, crépus, bouclés, hein, on va préciser. J'ai mis de l'huile. Alors, toutes sortes d'huile. Hein, l'huile avocat, l'huile... De Ricer, on l'a acheté ensemble. Toutes les huiles, j'ai acheté ça avec Gigi. C'est Gigi qui m'a dit, tiens, prends ça. Ensuite, qu'est-ce que je dois te poser comme question? Est-ce que tu as eu des remarques sur tes cheveux? Oui, j'ai eu plusieurs remarques de mes amis, comme quoi que ça ne m'allait pas du tout les cheveux courts, parce que c'était vraiment très 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 court. J'ai eu aussi que c'était moche, qu'ils aimaient mes cheveux longs, que ça m'allait pas avec mon visage, les cheveux courts. J'ai eu aussi des gens qui m'ont arrêté, interpellé en me disant que les cheveux courts comme ça, c'était moche. Après, j'ai eu une fille aussi à Carrefour qui m'a interpellée. Hein. Mais je pense que elle, c'est parce que j'ai pensé à la dernière fois. Je pense qu'elle, c'est comme les gens qui ont cancer. Je pense qu'elle aime pas voir des gens qui n'ont pas de cheveux, un truc comme ça. Ouais, je mais pense. La réflexion qu'elle m'a faite. Attends, on est dans un pays libre hein, quand même. Ouais, hein. Je sais pas. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit que ça faisait que ça faisait moche, que c'était honteux de laisser les cheveux crépus comme ça, qu'on avait tout nécessaire, tissage, postiche, tout nécessaire pour nous. On devrait se mettre ça sur nos cheveux quoi. Et donc je lui ai dit que j'avais une tumeur, donc c'était pas de ma faute, donc elle est restée con quoi. Mais je pense que ouais, c'est une femme qui doit être qui doit pas aimer les gens qui ont une maladie, je pense, je sais pas, ou les cheveux courts, enfin bref. Et après ça, vous pensez qu'on est dans un pays libre? Pas vraiment, on n'est pas dans un pays libre. Si on n'arrive pas à garder ses cheveux courts parce qu'on a envie ou... Parce qu'on est métisse. Ou il y en a qui n'ont pas le choix. Tout le monde veut avoir les cheveux longs, mais bon, enfin tout le monde. On va dire 80% des gens veulent les cheveux longs. C'est un choix, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut attaquer les autres ou casser les bonbons des autres pour être poli, quoi. Voilà. Donc, c'était Christelle. Ma copine, et je précise, je l'ai harcelée pour qu'elle puisse couper ses cheveux parce que elle voulait pas couper ses cheveux, elle laissait ses cheveux tomber de préférence. Mais je lui ai dit, c'est pas la solution, faut que tu retrouves tout le défrisage. Je me suis retrouvée dans ma baignoire avec tous mes cheveux dans la baignoire. Je me suis mise à pleurer. Voilà, j'ai appelé Gigi, elle est venue à mon secours. Voilà, et grâce à une vidéo de Lily Love et une Jamaïcaine que j'ai vue qui coupait les cheveux, c'est-à-dire la transaction entre les cheveux crépus et le défrisage. Donc j'ai fait comme eux et j'ai copié. Je ne sais pas si j'arriverai à vous trouver des photos, puisque j'ai des photos sur ma tablette. Je vous le mettrai si j'arrive à la transférer. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis, on est censé être dans un pays libre. Essayez de ne pas casser les bonbons des gens qui ont fait un choix dans leur vie. Ok. Ciao. Merci les filles. Bye. Coucou les filles, donc
Voilà, je suis à la plage. Donc, comme vous voyez, il fait très, très, très beau. Donc, on va parler un peu de cheveux. Évidemment, crépus. Donc, qu'est-ce que je peux dire de mes cheveux crépus? Des bons moments, des moments assez chauds, des regards, des remarques, voilà, des gens qui disent « Tu t'es pris un coup de vent dans la tête ?» Voilà ce qu'on te dit quand t'as les cheveux crépus. Voilà, je rigole parce que la personne qui filme, elle rigolait, voilà. Mais c'est vraiment, et c'est pas forcément des... On va dire les mots qu'il faut. C'est pas forcément des blancs qui vous le disent, parce que les gens, des fois, c'est des collègues, parce que je vis à un endroit où il y a pratiquement que des blancs. Mais j'étais en Guadeloupe, c'était pareil. On me regardait ma tête bizarrement. J'ai dit, ouais, mais je suis antillaise. Je me crépus, oui, c'est normal. Donc voilà quoi, les gens te regardent bizarrement, style tu sors d'une autre planète. Je me suis fait une coupe il n'y a pas longtemps pour aller au boulot. Donc j'ai attaché ma tête avec un foulard. Donc, et je laissais juste comme ça. Mes collègues m'ont demandé de dépouiller un avion réacteur dans la tête. Voilà. Donc franchement, je rigole parce que moi, je m'en bats les niches. Ça se dit ça? Bon, les niches, les miches, ça va, c'est pas grave. Voilà, je m'en fiche. Voilà. On va pas être trop vulgaire, mais franchement. Voilà. Donc, mais franchement, j'ai reçu de tous les remarques possibles. Tout. Tout. Et la chose que j'ai retenu là-dedans, c'est que je fais ce que je veux. Ce sont mes cheveux. Si j'ai envie d'être crépue, je suis crépue. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, je reviendrai encore avec des tout petits témoignages, vu qu'il fait beau. Donc, je suis là à la plage. Donc, voilà. Bye. Bibi. Oui. Je suis venue pour te demander, qu'est-ce que tu penses de tes cheveux? Bah, ils sont normaux, ils sont bien. T'es sûre? Oui. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? J'ai dit que... ils étaient beaux, je crois, parce qu'ils étaient sur ma tête. Parce que c'est les plus beaux parce qu'ils sont sur ma tête. Du coup, bah voilà. C'est obligé qu'ils sont beaux. Attends, beau. Pourquoi tu voulais lisser tes cheveux si tu dis que tes cheveux sont parfaits? Mais pas faire un défrisage, mais lisser ou faire à lisser, enfin, pour changer un peu. Mais après, mes cheveux redeviennent normales. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de mes cheveux? Est-ce que tu veux qu'on échange? Parce qu'ils sont sur ta tête, c'est plus les mêmes. Du coup, tu vois, genre... après, peut-être que si tu mets tes cheveux sur ma tête, ça va les embellir, mais... L'autre, elle a un problème psychomoteur. Ok. Donc là, je vais partir parce que je vais les triper. Voilà, par rapport à mes cheveux... je maîtrise entre parenthèses, c'est-à-dire maintenant, si j'ai pas envie de me coiffer, je me lève, je passe, je mets mon peigne au fond, voilà, clac clac, et je laisse comme ça, et je sors. Si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, ça plaît pas. Donc, je vous montre un peu mes cheveux. Donc, aujourd'hui, j'ai pas mis d'eau, j'ai pas mis de produit coiffant, j'ai juste passé le peigne au fond, mais ça fait mal là, par contre. C'est ça qui est chaud dans les cheveux crépus, ça fait mal. Mais ce qui est triste, c'est qu'on ne trouve pas assez de témoignages sur les cheveux crépus. Les faits réels, c'est-à-dire les moqueries qu'il y a dans la rue, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc si tu n'as pas un caractère, je dirais pas de merde, mais si tu n'as pas un caractère assez aigu, tu en prends plein la tronche. Ok? Donc, les gens te regardent, que ce soit noir ou blanc, il n'y a pas de couleur. Hein. Surtout les noirs, ça m'embête. Quand c'est un noir qui te fait commentaire sur tes cheveux, ça craint, quoi. Ils connaissent tes cheveux, donc voilà, quoi. Voilà, voilà. Donc, là, je vais rentrer. Et je vous dis à tout à l'heure. Bye.